Alors, un exercice ici sur les oscillations mécaniques libres avec la poussée d'Archimède. Donc, nous avons ici un cylindre hein, que j'ai représenté ici, homogène, de section S, de longueur L, que j'ai représenté ici en rouge, de masse volumique ρ, qui flotte ici sur l'eau, de masse volumique ρ de l'eau. Donc, il y a un système ici de guidage hein, sans frottement qui permet de maintenir le cylindre vertical. Alors, première question de l'exercice, il faut exprimer la poussée d'Archimède FA en fonction des paramètres surface du cylindre, masse volumique de l'eau, et de la hauteur immergée, H, que j'ai représentée ici, et du champ de pesanteur G. Deuxième question, on veut qu'à l'équilibre, une hauteur petit h est égale à longueur du cylindre divisé par 2 soit immergée. Il faut donc trouver la relation entre la masse volumique du cylindre et la masse volumique de l'eau qui permettent d'avoir H est égal à grand L sur 2. Troisième question, le système étant en équilibre, on l'enfonce d'une longueur petit a. À un instant pris comme origine des temps, on va l'abandonner sans vitesse initiale. Il va falloir alors déterminer l'équation du mouvement du cylindre. On néglige les frottements dans cette étude. Question 4, il faut exprimer la fréquence N0 du mouvement oscillatoire. Application numérique, on prendra ici la surface S 1 cm², l'enfoncement ici du cylindre petit a égale 1 cm, la longueur du cylindre L est égale à 20 cm, la masse volumique de l'eau 10 puissance 3 kg par mètre cube et l'accélération de pesanteur 9,8 mètres seconde moins 2. Alors, dans une première question, il va falloir ici déterminer l'intensité de la poussée d'Archimède. Et on sait par définition hein, que la poussée d'Archimède, je l'ai représentée ici par le vecteur FA, est directement opposée au poids du liquide déplacé. C'est-à-dire, si j'exprime vectoriellement, poussée d'Archimède est à l'opposé du poids du liquide déplacé, c'est-à-dire de l'eau. Alors, étant donné que le poids de l'eau déplacée, c'est exactement la masse multipliée par g, hein, j'ai réécrit ici la poussée d'Archimède en vecteur est égale à moins la masse d'eau déplacée multipliée par le vecteur accélération de pesanteur. Donc ici, j'ai représenté le vecteur accélération de pesanteur descendant. Donc la poussée d'Archimède a tendance ici, hein, à faire remonter le cylindre. Donc je calcule ici le volume d'eau déplacée. Alors le volume d'eau déplacée, hein, c'est le volume que je vous montre ici, hein, c'est le volume d'un cylindre. Donc c'est simplement égal à la surface S multipliée par la hauteur petit h. Donc j'écris SH. Donc ici, la masse d'eau déplacée, ça sera simplement la masse volumique de l'eau multipliée par le volume d'eau déplacée, que j'ai calculé ici SH. J'obtiens donc poussée d'Archimède est égal à l'opposé de la masse volumique de l'eau multipliée par grand S multipliée par h suivant le vecteur g. Désormais, si je veux l'intensité de la poussée d'Archimède, je vais prendre la norme de ce vecteur qui sera égale à la norme de ce vecteur-ci. Donc je n'indique pas ici le moins puisque la norme de moins 1, ça me donne plus 1. Donc la norme ici de la poussée d'Archimède est égale à la masse volumique de l'eau multipliée par la surface multipliée par h multipliée par la norme de g qui est égale à petit g. Donc voici exprimée ici la poussée d'Archimède en fonction des paramètres SH, masse volumique de l'eau et petit g. Donc deuxième question. On veut ici que la hauteur immergée petit h soit exactement la moitié de la longueur du cylindre, donc L sur 2. Donc nous avons ici notre cylindre qui est à l'équilibre et qui est soumis à deux forces. Donc son poids qui est vertical descendant et la poussée d'Archimède qui est de direction opposée au poids. Donc nous pouvons dire qu'à l'équilibre, la somme des forces qui s'appliquent sur le cylindre est égale à vecteur nul. Donc poids plus poussée d'Archimède est égal à vecteur nul. Alors, je vais maintenant projeter cette égalité vectorielle hein, suivant cet axe hein, de vecteur unitaire ici petit u et un axe descendant. Donc le poids, hein, la projection du poids suivant cet axe me donne plus p et la projection de la poussée d'Archimède suivant cet axe me donne moins
l'intensité de la poussée d'Archimède. Hein, parce qu'ici, le vecteur poussée d'Archimède est opposé au vecteur U. Et ça, c'est égal à 0. On retrouve, en transposant moins FA à droite du égal, que le poids doit être égal à la poussée d'Archimède, hein, dans cet état d'équilibre. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va exprimer ici le poids du cylindre en fonction des données du problème. Alors, le poids du cylindre, c'est la masse du cylindre multipliée par petit g. Et la poussée d'Archimède, eh bien, c'était la masse volumique de l'eau multipliée par SHG. Et la masse du cylindre, c'est la masse volumique du cylindre multipliée par le volume du cylindre. Ainsi, j'obtiens, avec le volume du cylindre qui est égal ici à la surface S multipliée par la longueur L, ρ, donc la masse volumique du cylindre, SLG, est égal à ρ SHG. Donc je peux simplifier ici par S, par G. Donc j'ai réécrit ici ma relation simplifiée. Masse volumique du cylindre multipliée par L est égal à ρe multiplié par H. Alors, nous voulons ici que H soit égal à L sur 2. Donc, je remplace ici H tout simplement par grand L sur 2. Je peux ici simplifier aisément par L, hein, de sorte que je trouve une condition pour avoir petit h est égal à grand L sur 2. Il faut que la masse volumique du cylindre soit exactement un demi, c'est-à-dire la moitié de la masse volumique de l'eau. Donc, voilà, nous avons répondu à la question, il fallait trouver une relation entre ρ et ρe, entre la masse volumique du cylindre et la masse volumique de l'eau, qui nous permettent d'obtenir une hauteur immergée qui soit la moitié de la longueur du cylindre. Donc, question 3, nous allons ici enfoncer le cylindre d'une longueur petit a. Donc, si on enfonce le cylindre et qu'on le lâche, le système n'est plus à l'équilibre. Donc, je vais faire ici mon étude à partir d'une figure, hein, qui a été prise à un instant t, où ici nous avons un enfoncement de x par rapport à la moitié du cylindre. En fait, on considère ici un enfoncement x relativement à la position d'équilibre statique. Alors, nous allons travailler ici dans le référentiel terrestre, hein, supposé galiléen, et nous allons appliquer la relation fondamentale de la dynamique, qui nous dit que la somme des forces appliquées à ce cylindre est égale à la masse du cylindre multipliée par son accélération. Donc la somme des forces vectoriellement, ben, on n'en a que deux ici, c'est le poids du cylindre additionné de la poussée d'Archimède. Et l'accélération, par définition, ça sera d2x sur dt2 suivant le vecteur u. On imagine ici que le cylindre, hein, est en train de s'enfoncer. Alors c'est sûr qu'au départ, hein, on a étiré ici le cylindre de x égale petit a. Donc ensuite, nous allons avoir un mouvement ici oscillatoire. Et on fait une photographie à l'instant où le cylindre est en train de s'enfoncer à la distance ici petit x. Donc, comme toujours, nous avons ici une relation vectorielle. Nous allons projeter cette relation vectorielle suivant l'axe que j'ai choisi ici vers le bas, hein, de vecteur unitaire petit u. Alors, le vecteur poids se projette suivant cet axe, hein, le vecteur poids est de même sens que le vecteur u, selon plus p. Ensuite, la poussée d'Archimède, le vecteur poussée d'Archimède est à l'opposé du vecteur u, donc ça fait moins poussée d'Archimède, et ici j'écris simplement m, et l'accélération c'est d de x sur d T2. Donc, le poids. Alors, le poids du cylindre, c'est la masse du cylindre fois g, et la masse du cylindre, c'est exactement la masse volumique du cylindre multipliée par le volume du cylindre. Donc, le poids du cylindre, c'est ρVg. Et le volume du cylindre, ben, c'est simplement ici la surface multipliée par la longueur L. Donc, ici, petit résultat annexe. Le poids du cylindre, c'est la masse volumique du cylindre multipliée par S, multipliée par L, multipliée par G. Voilà, hein, j'ai replacé ici, hein, ce résultat. Alors, désormais, et étant donné que X, ici, c'est l'enfoncement supplémentaire, hein, du cylindre dans l'eau, le volume du fluide déplacé, hein, c'est ce que je matérialise ici, hein, c'est le volume de ce cylindre,
Donc un cylindre de longueur L sur 2 plus X et de surface S. Donc le volume du fluide dépassé, ou le volume d'eau déplacée, si vous voulez, c'est L sur 2 plus X multiplié par S. Donc, après avoir déterminé le volume du fluide déplacé, je peux facilement trouver le poids du volume d'eau déplacée. Donc le poids, hein, c'est la masse volumique de l'eau déplacée multipliée par le volume déplacé. Hein, masse volumique fois volume, ça va me donner la masse d'eau déplacée. Et la masse d'eau déplacée multipliée par G, mg, c'est bien le poids du volume d'eau déplacée. Et bien ça, c'est exactement l'expression de la poussée d'Archimède Fa. J'obtiens donc la relation fondamentale de la dynamique qui s'écrit rho slg moins entre parenthèses L sur 2 plus x, fermez la parenthèse, S masse volumique de l'eau g est égal à masse multipliée par d2x sur dt2. Alors je vais exprimer ici la masse du cylindre. Donc voilà, la masse du cylindre, hein, c'est simplement ici la masse volumique du cylindre multipliée par le volume du cylindre, hein, volume du cylindre sl. Alors, je vais transformer l'écriture de cette équation en tenant compte du fait qu'à l'équilibre, j'avais rho est égal à rho e sur 2. Hein, il faut toujours tenir compte de la relation à l'équilibre. C'est-à-dire que je vais remplacer rho par rho e sur 2, ici et ici. Donc voilà, hein, j'ai remplacé rho par rho e sur 2, ici et ici. Et désormais, je retrouve ici rho e. Dans les trois expressions, je peux donc les simplifier. Alors, je pouvais aussi simplement factoriser ici dans le terme de gauche, factoriser par ρe, et ensuite, c'est plus visuel, on peut simplifier. Mais quand on a l'habitude, on simplifie de la sorte. On continue les simplifications. Je peux simplifier par S, ici et ici. Donc ensuite, je vais développer ici, donc g multiplié par l sur 2, ça me donne lg sur 2, affecté du signe moins, gx, ça me donne ici, bah bien sûr, gx, affecté du signe moins, donc j'obtiens lg sur 2 moins lg sur 2 moins x petit g est égal à l sur 2 d2x sur dt2, ce qui me permet de simplifier lg sur 2. Je transpose ici à droite le terme moins xg, il deviendra plus xg. Ainsi, j'obtiens l'équation L sur 2 d2x sur dt2 plus xg est égal à 0. Donc ici, je vais multiplier l'équation par 2. Donc 2 fois L sur 2, il me restera L, plus 2xg est égal à 0. Et je vais diviser par L, donc L divisé par L, ça fait 1. Donc ici, plus 2L est égal à 0 sur L, ce qui reste 0. Donc, en conclusion, d2x sur dt2 plus 2 petit g sur L x est égal à 0. Donc, on reconnaît ici une équation différentielle du second ordre sans second membre. Hein, le second membre vaut 0. Et cela, c'est caractéristique d'un mouvement rectiligne sinusoïdal. Donc, pour ce mouvement sinusoïdal, nous allons ici trouver la pulsation en sachant que oméga carré, c'est le coefficient 2g sur L. Donc oméga carré égale 2g sur L. Je peux tirer facilement la pulsation oméga exprimée en radians par seconde. Ainsi, la pulsation oméga est égale à la racine de 2g sur L. Donc application numérique, g, on avait pris 9,8, et L, c'est la longueur du cylindre, 20 cm, il faut l'exprimer dans le système international, donc en mètres, 0,2, et l'on trouve une pulsation du mouvement sinusoïdal d'à peu près 9,90 radians seconde moins 1, ou radians par seconde. Déterminons désormais l'équation du mouvement du cylindre, c'est-à-dire l'évolution du paramètre x, c'est-à-dire l'évolution ici de l'enfoncement x, en fonction du temps. Eh bien, on sait que la solution de l'équation différentielle présente une forme du style x de t, donc ici j'écris pas x de t, j'écris ici petit x, est égal à x0 sinus oméga t plus phi. Donc oméga ici représente la pulsation du mouvement. Alors je vais me servir des conditions initiales pour déterminer ici phi et x0. Je sais qu'à l'instant t égale à 0, le cylindre a été enfoncé de petit a, et cela correspond à l'enfoncement maximal. Donc à t égale à 0, petit x sera égal à x0, qui correspond ici à l'enfoncement maximal, et ça sera égal à petit a. Donc j'ai déjà trouvé ici petit a, c'est forcément x0.
Effectivement, puisque x ici c'est une fonction sinus, x0 représente en fait l'amplitude maximale de x. Et moi je sais que l'amplitude maximale c'est forcément petit a. Donc x0 égale petit a. Et donc je vais réécrire ici x est égal à petit a sinus oméga t plus phi. Et je vais réécrire ici cette équation pour t est égal à 0. Donc pour t est égal à 0, on a dit que petit x, hein, ça correspondait à l'enfoncement maximal, c'était petit a. Donc petit a doit être égal à petit a sinus oméga fois 0, donc ça fait 0, donc sinus phi. Hein, j'ai pris cette relation à t est égal à 0. Donc on obtient en divisant par a hein, de chaque côté, sinus phi est égal à a sur a, c'est-à-dire sinus phi est égal à 1. Donc, je vais choisir ici phi est égal à pi sur 2, parce que je sais que sinus de pi sur 2 radians, ou si vous voulez sinus de 90 degrés, ça fait 1. Donc voilà, j'ai remplacé ici phi par pi sur 2, et j'ai donc ici l'abscisse en fonction du temps. Hein, comment évolue l'enfoncement du cylindre en fonction du temps? Je peux éventuellement calculer ici la vitesse du cylindre, hein, c'est d de x sur dt. C'est-à-dire d sur dt, hein, en fait ça veut dire dérivé par rapport au temps, de la fonction a sinus oméga t plus pi sur 2. Donc, un petit rappel de mathématiques, hein, ça ne fait jamais de mal, la dérivée de sinus u, c'est u prime cos u. Donc vous allez prendre ici la fonction u, qui est égale à oméga t plus pi sur 2. Donc si on prend u est égal à oméga t plus pi sur 2, eh bien il est clair que u prime est égal à oméga fois 1, donc oméga fois 1, plus 0, puisque la dérivée d'une constante, ça fait 0. Donc ici, la dérivée de cette expression, donc le petit a peut sortir de la dérivée, donc la vitesse du cylindre est égale à petit a, et on vient de le faire, la dérivée de sinus u, c'est u prime, donc c'était oméga, hein, multiplié par cosinus u, c'est-à-dire oméga t plus pi sur 2. Nous allons vérifier ici qu'au moment du lâcher, hein, quand on a enfoncé le cylindre d'une profondeur ici petit x égale petit a, eh bien la vitesse était nulle. Donc je calcule ici la vitesse à t est égale à 0, je remplace simplement t par 0. Oméga fois 0, ça me donne 0. Cosinus 90 ou cosinus pi sur 2 radians, ça me donne 0. Donc à t égale à 0, la vitesse du lâcher est bien égale à 0 mètres par seconde. Donc, par ailleurs, nous pouvons ici trouver l'équation du mouvement du cylindre sous une autre forme. Étant donné que sinus de oméga t plus pi sur 2, c'est exactement pareil que le cosinus de oméga t, on peut retenir ce résultat, c'est que l'équation du mouvement du cylindre peut être aussi une fonction cosinus x est égal à petit a cosinus oméga t. Écrit différemment, ici j'ai remplacé la pulsation du mouvement sinusoïdal. Petit x, ou x de t, hein, forcément, puisque x évolue en fonction du temps, est égal à petit a cosinus racine de 2g sur l t. Alors, dans une dernière question ici, il faut trouver la fréquence. Donc, par définition, je sais que la pulsation est liée à la fréquence, oméga est égal à 2pi multiplié par n0. Donc n0, la fréquence, est égal à oméga divisé par 2pi, et oméga, je connais son expression littérale, donc fréquence n0 est égale à oméga racine de 2g sur l multiplié par 1 sur 2pi. Nous allons passer à l'application numérique. La fréquence n0 est égale à la pulsation qu'on avait trouvée tout à l'heure, 9,90 radians par seconde, multipliée par 1 sur 2pi, et je trouve une fréquence avoisinant les 1,58 Hz arrondie à 10-2 près. Donc voilà, c'était un exercice inédit, type préparation concours kiné, tout à fait intéressant sur l'étude ici d'un équilibre statique et d'un équilibre dynamique d'un cylindre ici en flottaison.